Cheya rend hommage à son fils Ludovic décédé il y a un an. Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2017, Ludovic Chancel succombait à l'âge de 42 ans. Avait été annoncé par le manager de Cheya sur le compte Facebook de la chanteuse. Une épreuve insupportable pour l'artiste phare des années yéyé qui venait de renouer avec son fils unique, fruit de ses amours avec Ringo. Marqué à tout jamais par cette tragédie, toujours là pour lui envoyer un peu de réconfort notamment sur les réseaux sociaux. Mais c'est sur scène qu'elle a réussi. À peine un mois après le décès de Ludovic. Un spectacle durant lequel elle a rendu hommage à son fils disparu. Je l'ai fait pour lui parce qu'il avait, je pense, envie de me voir chanter et qu'il m'a vu chanter, a-t-elle récemment déclaré au micro d'Europe 1. Pas un jour ne passe sans qu'elle pense à Ludovic. Ce week-end, ses admirateurs ont vu apparaître sur sa page Facebook une ancienne photo de son fils, un vieux souvenir publié à l'occasion du triste anniversaire de sa mort. Un simple cliché en noir et blanc qui a bouleversé la toile. Un an déjà, mais un an de chagrin et de courage, je pense bien à vous. Triste journée pour une maman de tout cœur avec vous. Je vous adresse toute mon affection et ma tendresse, ont écrit ses fans. Des mots qui lui feront chaud au cœur et qui l'aideront sans doute.